Visite des trésors royaux au Bénin. Les membres de l'association Enfants-Maris du Bénin étaient allés à la source. Une forte délégation de l'association EMB a fait le déplacement du côté de la Marina pour apprécier les efforts faits par le gouvernement de la rupture sous l'égide éclairée du président Patrice Talon. Je suis arrivé avec mes deux artistes de Savalou et une bonne partie des Enfants-Maris du Bénin. Parce que je suis la présidente des Enfants-Maris du Bénin. Voir ce que notre cher président a fait de beau pour le pays du Bénin. Une visite qui vient à point nommé au regard de l'amour des maris vis-à-vis de leur culture. Très satisfaite, Madame Juliette Baguili, épouse Betty, dite beauté ronde, a donné ses sentiments et a saisi l'occasion pour faire de très belles propositions au président Patrice Talon pour le bonheur de tous les Béninois. Toué, nous en Congo aussi. Donc, c'est un président qui a du goût, un président qui fait bien et qui rêve beaucoup pour son pays. Donc, je suis fier de lui. Il a amené nos œuvres, il s'est battu. Tu sais, je réside à Paris, moi. Donc, il s'est battu pour reprendre ce qui nous appartient des Blancs pour ramener. Mais, par contre, ce que je vais demander à Monsieur le Président, notre cher Président Patrice Talon, Guillaume, de faire tout pour nous récupérer tout le reste. Mais non seulement tout le reste, il y a un seul objet d'art qui est important, celui qui garde la France. Pour les numéros 1 du rythme Tchegoumé et Toba, à savoir Gwetchéou et Ezik Gagnon Junior, le président Patrice Talon est un dieu de la culture réincarné. Bon, donc, ben, aucun hégien mi plebo foro touye tamayon. Oye kadoko, bo se donon le ma wage biotawe na dan doko okwe. Oye vono tafou me wibon mi tek mo kakalo bo be. E kadomi le touye ma kale sen mi yonon. Wiyan wiyan de ton do bene beji yo hégien nonon wime bonon zon. Bonde mi doro. Et mino fosso tu bodu mi de una webo. Oye vuna go si tombo a ben ye wa kwe bone mi gbeo e yan la din. Nou e li yon me jenwe no gande. A bong be me fi huo siye. Zinko u togbo mi iton le o to gan yu a to che me. Nto be ni indo hode u. Il est une véritable source d'inspiration à tous les artistes béninois et africains.